I have decided to follow Jesus. I have decided. Bonjour, bonjour, bonjour. J'attends que les premières personnes se connectent. Voilà, il faut refroidir la voiture un peu. Voilà. Bonjour à tous. La personne, on dirait. Ok. Ah, bonjour Tina, Justine. Comment vas-tu, Tina? Je suis content de te voir, hein. Ben oui. Tu es la toute première personne à se connecter. Et il y a du monde qui se connecte maintenant. Bonjour, c'est éloge. C'est éloge, c'est éloge, c'est éloge. Salut Léa, salut Florence Cooper. Florence Cooper, j'attends les détails pour la conférence de Chicago. Alors, veuille me contacter ce soir, s'il te plaît. Voilà, ce soir, pour qu'on en parle. Voilà, je suis content. Content d'être en direct avec vous, bien-aimés. Comme je l'ai dit, je veux que chaque instant de ma vie serve à quelque chose de bien. Voilà, ce qui fait que ma voiture est équipée, ok, des dispositifs pour les directs. Parce que pour moi, chaque minute compte. Chaque instant compte. Et c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole et de dire merci à Dieu, de partager quelque chose. Alors, je dis merci à Dieu et je lui demande de prendre le contrôle de ce que je suis en train de dire en ce moment. Même si ce message sera court, je voudrais que le Saint-Esprit soit au contrôle. Et je bénis le nom de Dieu de ce qu'il me permet de m'adresser à vous. Merci pour votre fidélité à ce programme et surtout pour votre assiduité dans les prières que j'offre. Merci beaucoup. Alors, l'une des choses dont un chrétien ne doit jamais, je dis, se priver, c'est du mot fidélité. Fidélité en termes de quoi? Je parle de la réalisation. Fidélité en termes des promesses de Dieu, fidélité en termes de nos choix, fidélité en termes de nos convictions, fidélité en termes de nos projets et en tout ce que nous voulons réaliser. J'aimerais que les enfants de Dieu aujourd'hui fassent attention à ce qu'ils reçoivent comme message. Bien-aimés, la pensée humaine qui est là a été conçue pour réceptionner les messages spirituels. Ce qui veut dire que la pensée humaine peut réceptionner même des messages qui ne viennent pas de Dieu. Et ces messages dont je vais parler viennent parfois sous forme de pensées, d'images et de visions. Il est donc important que l'on apprenne à contrôler ses pensées. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, on a parfois des idées. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. J'ai déjà commencé à parler. Alors, on a parfois des idées que nous croyons venir de Dieu. Mais il arrive des moments où, après avoir essayé ces idées, nous constatons que c'était plus ou moins nos propres pensées. Pourtant, il arrive que Dieu nous parle réellement. D'ailleurs, il nous parle régulièrement. Mais ce que je veux dire en parlant de fidélité, c'est de vous emmener à comprendre que ce n'est pas parce que l'on a une vision, ce n'est pas parce que l'on a une prophétie, ce n'est pas parce que l'on a eu une idée que ça veut forcément dire que cette idée vient de Dieu. Le cerveau humain est comme un récepteur, capable de capter tout ce qu'il y a comme onde spirituelle. Mais ce à quoi je vais vous emmener, c'est à discerner la volonté de Dieu et à rester fidèle à la volonté de Dieu. Bien-aimés, lorsque vous entreprenez un projet, lorsque vous vous engagez sur une voie, tout le monde veut vous apporter une idée. Tout le monde veut vous conseiller. Tout le monde veut vous dire ce que vous avez à faire. Parce que chacun a sa façon à lui de voir les choses, d'interpréter les choses et de réagir face aux circonstances de la vie.
Par conséquent, lorsque vous décidez d'entreprendre quelque chose, de faire des démarches et de vous lancer à la poursuite d'un but ou de réaliser ce que Dieu vous dit de faire, chacun tentera d'apporter son idée, sa contribution et même de vous aider à trouver votre chemin par rapport à ce que vous voulez réaliser. Mais il arrive très souvent que les gens nous donnent des idées qui sont opposées à celles que Dieu nous a données. Ce que je veux dire à quelqu'un à travers ce petit message, c'est que Dieu ne dira pas une chose pour ensuite envoyer quelqu'un qui va vous dire le contraire. Dieu ne se dédie pas. Il ne se répand nullement pas de ses paroles, de ses déclarations et autres. Mais il envoie toujours quelqu'un pour confirmer ses révélations à notre égard. Vous devez donc apprendre à discerner ce que Dieu a dit et ce que Dieu n'a pas dit. Les pensées qui viennent de Dieu et celles qui ne viennent pas de Dieu. Figurez-vous que nous pouvons ne pas le comprendre, mais notre pensée est nuit et jour bombardée d'idées négatives. Le diable veut nous sortir de la présence de Dieu. Il veut coûte que coûte nous sortir de la présence de Dieu, nous dévier des pensées de Dieu, nous écarter de la volonté divine. Voici pourquoi vous avez l'impression que parfois les gens sont autour de vous, n'ont aucune idée à vous donner, n'ont rien à vous dire. Mais aussitôt que vous vous engagez à suivre une voie, à réaliser un projet, c'est comme si par miracle tout le monde trouvait un conseil à vous donner. Par miracle, même ceux qui n'ont pas d'idée pour eux-mêmes ont quelque chose à vous dire. Ils vont vouloir que vous fassiez les choses comme ça. Même ceux qui n'ont pas encore trouvé leur chemin dans la vie vont vouloir vous aider à trouver votre chemin. Alors que au moment où vous n'aviez aucune idée de ce que vous voulez devenir ou faire, ces personnes n'avaient rien à dire. Mais tout de suite, dites, je vais réaliser tel rêve. Par miracle, tout le monde a quelque chose à dire dans votre affaire. Par magie, ils ont des idées. Donc, ce que je tente de vous dire ce soir, c'est que quand Dieu a dit, Dieu ne change pas. J'ai béni le nom de Dieu de ce qu'il a confirmé quelque chose. J'ai béni le nom de Dieu parce que c'est une confirmation. J'ai reçu une nouvelle si bonne que je ne peux que me réjouir de ce que mon Dieu confirme des choses. Et la nouvelle en question est un voyage en direction d'un pays. Un pays où je me suis vu en train d'aller et dans le rêve, le voyage a été interrompu. Alors, quelques mois plus tard, j'ai prié et le Seigneur débloque le voyage en direction de ce pays en particulier. Ce que je tente de vous dire, il a dit et il a fait. Certainement, les gens ont tenté de capturer et d'interrompre le voyage. Salut Nono Wavos. Mais pour confirmer ce que le Seigneur a dit, il a confirmé, il a débloqué. Donc, si quelqu'un vient te donner une prophétie qui n'a rien à voir avec ce que ton cœur désire, alors que c'est en ton cœur que Dieu parle, avant de suivre, prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir profondément. Il y a des décisions, enfants de Dieu, que vous ne devez pas laisser quelqu'un vous pousser à prendre. Il y a des choses que vous ne devez pas laisser le diable vous pousser à faire. Là encore, j'en viens aux relations. Quand le diable veut piéger quelqu'un avec une relation, vous allez voir que il met la pression. Quand le diable veut nous piéger, nous, enfants de Dieu, dans une relation, quand il veut pousser une femme à pécher,
quand il veut pousser un homme à pécher, quand il veut dévier un homme ou le piéger, parce que Dieu est en route pour le bénir, là, il met le paquet. C'est dans ça, là, les gens tombent amoureux et puis ils ont l'impression qu'il y a un coup de foudre qui les a frappés. Tu as l'impression qu'il y a un coup de foudre. Ça t'a même pas frôlé même. Salut ma soeur. Le coup de foudre t'a même pas frôlé. Ça que tu sens qu'il y a un coup de foudre qui t'a frappé. Là, l'amour envahit tes yeux, tes oreilles, tes cheveux. Là, faut savoir que Satan veut te piéger. Faut savoir qu'il veut te piéger. Parce que quand le diable sent que ton heure de connexion arrive, ton heure de bénédiction arrive, ton heure de miracle arrive, là, il met le paquet. Paquet même, c'est petit. Le conteneur. Il mise son effort. Donc, si vous êtes dans une situation où, par exemple, vous tombez amoureux de quelqu'un, où vous tombez, je ne sais pas, le coup de foudre de quelqu'un vous a frappé, analysez les choses. Et sachez que quand il y a trop de pression, l'ennemi veut vous induire en erreur. Quand il y a trop de choses, par exemple, un homme vous propose une chose et il ne vous laisse même pas respirer, sachez qu'il y a un piège quelque part. Sachez que le diable, quand il veut t'induire en erreur, il te pousse, il ne te laisse même pas le temps de respirer. Mais Dieu, quand il veut faire quelque chose, il fait cette chose patiemment. Parce que avec Dieu, mon frère, ma soeur, avec Dieu, ce qui est pour toi est pour toi. Même une relation amoureuse peut commencer doucement, mollo mollo, en douceur comme on dit en Côte d'Ivoire. L'homme, il ne te mettra pas de pression. Il ne se pressera pas pour voir tes dessous. Il ne se pressera pas pour avoir le sexe avec toi. Il va calmement parce qu'il sait que tôt ou tard, toi et lui là, vous êtes fait pour être ensemble. Qu'est-ce qui va vous empêcher? Il s'en fout. Il sait que demain là, tu seras versé dans sa maison, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu seras versé dans ta maison jusqu'à il sera même plein quoi te ramasser. Donc là, il va te mettre la pression pour quoi? Truc qui va t'appartenir demain là, tu vas poursuivre ça pour aller où? Tu sais que demain tu seras versé dans sa maison. Donc, fais ton petit malin, tôt ou tard tu seras versé dans sa maison. Alors, c'est pour dire que tu seras là, peut-être qu'il sera fatigué de te voir. Donc là, un homme comme ça, il va doucement. Il va doucement. Ce que je veux dire là, c'est pas seulement que je suis contre les hommes. Je veux dire aux enfants de Dieu, femmes comme hommes, évitez de vous faire piéger par le diable. Autrefois, on est tombé dans des pièges par manque de discernement. Parce que on a cru que tout ce qui brille, c'est de l'or. Mais aujourd'hui, là, ce que je vais te faire comprendre, comprendre, frère ou sœur, pour ne pas que tu tombes dans le piège du diable. Quand il y a trop de pression, quand il y a trop de choses, quand l'ennemi te met la pression, c'est que quand tu tombes sur une femme qui te presse, frère, marie-moi, 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 marie-moi. Fais très attention. Quand tu tombes sur un homme qui ne te lâche pas les baskets, il est là, il te met la pression jusqu'à toi-même. Là, tu te dis, attends, mon frère, il y a quoi? Sache que parfois, ça demande quelques jours de discernement, quelques jours d'intercession, quelques jours de réflexion. Parce que dans la vie, même s'il y a une seconde chance, est toujours possible. Sachez que certaines erreurs ne se réparent pas. Même si c'est toujours possible après nos plus tragiques erreurs d'avoir une seconde chance, certaines fautes ne se réparent pas. Certaines erreurs ne se corrigent pas. Certaines blessures ne guérissent pas facilement.
Et parfois, même si les blessures guérissent, les cicatrices ne peuvent s'effacer. Ça vous demande donc d'avoir le discernement. Si Dieu vous a dit qu'il vous donnera quelque chose, bien-aimé, ne prenez pas le contraire de ce que Dieu vous a promis. Vous risquez de le regretter. Il y a des gens qui font des, je ne sais pas si je dois payer ce qu'on appelle de la substitution. C'est-à-dire qu'ils cherchent une chose que selon eux, Dieu a promise. Et un beau matin, parce qu'ils sont fatigués, ils vont aller chercher le contraire. Bien-aimé, tu ne peux jamais réussir ni t'en sortir en dehors du plan de Dieu. Si tu veux, fais ce que tu veux. Si tu veux, remplace. Si tu veux, échange. Tôt ou tard, tu reviendras à ce que Dieu t'a dit. Pour éviter que ta vie, bien-aimé, soit un perpétuel recommencement, je te demande de chercher à avoir le discernement. Sache que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Reste fidèle. Peut-être que tu es confus ou confuse. Fais une chose. Tant que tu as des doutes, ne t'engage pas. Même si c'est un ange qui te propose une prophétie, qui te dit quelque chose, tant que tu as des doutes, ne t'engage pas. Bien-aimé, même si c'est la plus belle femme du monde, tant que tu as des doutes, ne t'engage pas. Mon frère, ma soeur, même si c'est l'homme le plus riche du monde, tant que tu as des doutes, ne t'engage pas. Même si c'est un évêque, un pasteur, l'homme le plus loin du monde, tant que tu as des doutes, ne t'engage pas. Comme quelqu'un, la sœur est en train de le dire, le diable te donne par la main droite, il reprend par la main gauche. Mais quand il est en train de te donner par la main droite, bien-aimé, il va faire briller comme si c'était de l'or. Ne vous laissez pas mettre la pression. Vous savez, beaucoup de projets et beaucoup de relations qui échouent, beaucoup d'entreprises qui échouent, ou beaucoup de choses dans lesquelles nous nous lançons et puis après nous regrettons, sont des choses durant lesquelles nous laissons les gens nous mettre la pression, les gens nous intimider, les gens nous forcer à prendre des décisions, sans pour autant nous laisser le temps de réfléchir. Et là, nous allons selon les apparences, nous jugeons selon les apparences. Parfois on dit oui pour faire plaisir à quelqu'un, parfois on dit oui parce qu'on n'a pas envie de décevoir quelqu'un, parfois on dit oui même quand on n'a pas encore envie de dire oui. Et tôt ou tard, la réalité nous rattrape et nous voilà face à nos erreurs, nos choix, nos mauvaises décisions que nous finissons par regretter. Si tu ne veux pas te regretter et t'apitoyer sur ton sort, ne dis jamais oui pour faire plaisir à quelqu'un. Ne dis jamais oui même pour faire plaisir à tes parents. Ne dis jamais oui, 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 oui et oui. Si tu as des doutes, ne t'engage pas. Si tu as des doutes, ne te lance pas. Tu sais pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en toi a la capacité de discerner, de détecter, de comprendre et d'appréhender les réalités. Même dans tes plus grandes folies, l'Esprit de l'Éternel en toi a la capacité de te dire si oui ou non tu as pris le bon chemin. Voici pourquoi certains posent des actes et plus tard, ils arrivent à regretter. Ils regrettent parce que l'Esprit en eux a la capacité de voir si oui ou non la personne a bien agi ou pas. Le Seigneur ne te dira pas quelque chose pour envoyer un homme
te dit le contraire. Le Seigneur ne te promettra pas quelque chose pour envoyer quelqu'un t'en offrir le contraire. Le Seigneur ne te dira pas quelque chose pour te pousser à faire le contraire. S'il y a quelqu'un qui te dit le contraire de ce que Dieu t'a dit, ou le contraire de ce que tu as la conviction de devenir, frère ou sœur, prends le temps de réfléchir pour voir si ce n'est pas toi qui as compris la promesse du Seigneur de travers, ou c'est quelqu'un que le Seigneur envoie pour t'orienter dans la bonne direction. Il est bien vrai que nos pensées peuvent nous tromper et même nous induire en erreur, pour la simple et bonne raison que la pensée ou le cerveau est un récepteur qui peut capter n'importe quoi. Mais la Bible dit que nous devons avoir le discernement pour faire la différence entre le bon et le mauvais. En toi, crois-moi si tu veux, ne me crois pas si tu veux, mais en toi se trouvent des dons. En toi se trouvent des capacités divines. En toi se trouvent des dons. Les mêmes dons qui sont en toi sont les mêmes qui sont en un prophète. Les mêmes capacités. Le don que tu veux que le Seigneur réveille, il peut l'activer en toi. Notre seule barrière vient des limites que nous nous établissons en croyant qu'il y a des hommes qui sont supérieurs à des êtres humains. Dieu ne fait d'acception à personne. Le même don que Elojah a reçu, tu peux aussi le recevoir. De la même façon que Élisée a dit à Élie, je veux recevoir une double portion de ton onction. Le Seigneur Jésus dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, vous en ferez de plus grandes. Comme il le dit en Jean 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait. Et il dit, il en fera de plus grandes, car je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Donc, vous devez vous faire confiance. Il y a plein de chrétiens qui n'ont même pas confiance en eux. Je suis parfois tellement déçu et même écœuré de voir des gens qui prétendent avoir la foi. Ils sont enfants de Dieu, des enfants de Dieu qui tremblent devant des situations. Alors ils prennent la Bible et disent, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Mais il faut les pincer de même. Faut les pincer, faut les voir pleurer pour leur galère. Tu es là, tu les regardes et puis tu dis, regardez-les, on dirait, ils ont des... Parfois tu regardes, il y a des gens, tu les regardes et puis tu dis, regardez-les, même ceux-là aussi s'appellent chrétiens parce qu'ils ont tous les styles de pleurs. Tous les styles de pleurs. Et puis bon, eux aussi, quand ils sont à l'église, ils disent qu'ils sont chrétiens. Il y a des chrétiens qui savent trop pleurer. Tu peux même les engager pour animer funérailles chinois. Tu peux même les engager pour animer funérailles chinois. Sœur Emma, est-ce que je me trompe? Il y a des chrétiens qui savent trop pleurer. Tu peux même les engager pour animer funérailles chinois ou bien funérailles bété. Non, les enfants de Dieu, ils sont terribles, quoi. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Faut quitter devant moi, oui. Tes histoires, là. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe parfois dans nos têtes, mais on est trop grave. Ah, tu peux les engager pour animer funérailles chinois. Là, ils vont très bien réussir ça, je t'assure. Enfants de chrétiens qui connaissent tous les styles de pleurs, tous les styles de plaintes, tous les styles de lamentations, tous les styles. Alors, ça aussi, on dit qu'ils sont chrétiens. Pardon, faut changer. Sœur Emma, pardon, faut changer.
Voilà. On n'a pas besoin de chrétiens qui vont aller animer funérailles chinois. Pardon. Cesse de te plaindre. Cesse de pleurer. Appelle en toi. Dis avec moi. J'ordonne au don divin dont je suis loin de se réveiller, de se manifester. Parfois, parle-toi et puis dis, j'ordonne à l'Esprit de Dieu en moi de se réveiller. Bien-aimé, en 2014 ou 2015, j'ai organisé un programme au centre-ville de Montréal. Et le programme était intitulé « Un jour pour toucher le cœur de Dieu ». En allant à ce programme, j'ai dit à Dieu, utilise-moi aujourd'hui comme un prophète. Saint-Esprit, aujourd'hui, utilise-moi comme un prophète. Bien-aimé, la Bible dit que si tu demandes et que tu crois l'avoir reçu, tu le verras s'accomplir. Il y avait un pasteur, un devancier qui était venu à ce programme. Et lorsqu'il venait à ce programme, il avait dit à Dieu, Seigneur, donne-moi une maison. Il n'avait jamais dit à quelqu'un lors du programme qu'il avait demandé à Dieu une maison. Mais quand il est venu, le Saint-Esprit m'a utilisé comme un prophète pour lui dire, le Seigneur me dit de te dire que tu as demandé une maison. Il te l'accorde. Il était tout étonné. Et il dit, mais serviteur de Dieu, c'est la prière que j'ai faite ce matin avant de venir. Il y avait une dame aussi qui était là. Je lui ai donné une prophétie claire et nette. Parce que je suis un vase d'honneur. Tu es un vase. Tu es le temple de l'esprit. Quand tu dis à l'esprit, cette année, je veux que tu m'utilises pour guérir que le cancer. Fais cette prière. Je veux que tu m'utilises comme étant la personne qui va guérir le cancer au monde entier. Tu seras un expert ou une personne spécialisée dans la guérison du cancer. Tu demandes, tu recevras. Tu demandes, tu recevras. Si tu es chantre, tu dis à Dieu, donne-moi une voix angélique. Une voix angélique. Une voix qui est tellement loin que lorsque je chante, même les présidents vont jeter leur veste par terre pour dire vraiment tu es de Dieu. Il te donnera ça. Si tu dis à Dieu, donne-moi ton. La Bible déclare que si tu demandes et que tu crois l'avoir reçu, tu recevras. Bien-aimé, lorsque je disais à Dieu de me donner l'onction d'Élie pour prier, lorsque je disais à Dieu de me donner la sagesse de Salomon, ce n'est pas pour rien aujourd'hui, les gens disent que mes livres font partie des livres les plus inspirants. Parce que, bien-aimé, il fallait que Dieu me donne une sagesse. Et il dit que si vous méditez le livre de la loi, il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et la nuit pour agir selon ce qui est écrit. Où tu es là, Dieu peut t'utiliser pour changer des vies. Il peut t'utiliser comme étant la plus grande chanteuse du monde. Il peut t'utiliser comme étant... Oh, vous ne comprenez pas qui est votre Dieu. Vous ne comprenez pas qui est votre Dieu. Vous vous êtes limité dans la tête. On vous a fait croire que les dons étaient destinés seulement aux pasteurs. Ce sont des mensonges en or. Des mensonges peints en or. Des mensonges peints en or. Même en or, même c'est bon. En pacotille. Pour vous limiter. En pacotille. Des mensonges pour que vous soyez toujours des disciples à vie. Des mensonges pour étouffer vos dons. Des mensonges pour que le Saint-Esprit ne vous utilise pas. Qui a dit qu'il y a un corps dans lequel le Saint-Esprit peut opérer, un corps dans lequel il ne peut pas opérer. Ce sont des mensonges pour vous étouffer. Sachez que qui que vous soyez, Dieu peut vous utiliser selon vos dispositions. Dieu peut vous utiliser. Juste pour vous dire qu'il n'y a aucune limite en vous à part celle que vous laissez les hommes vous imposer. Par des révélations qui parfois ne viennent pas de Dieu. Il n'y a aucune limite en vous. Vous êtes plein de dons. Vous êtes plein de potentiel. Vous êtes riche en dons. Vous êtes riche en dons. On vous a étouffé. On vous a étouffé. Vos cerveaux ont été lavés par des messages bidons qui visent à vous croire que vous êtes inférieur. Qui est inférieur? Vous avez été créé à l'image de Dieu. Qui est inférieur à qui? Personne n'est supérieur ni n'est inférieur à qui?
Chacun manifeste ses dons selon que Dieu lui a donné la capacité de manifester. Mais encore en plus de cela, le Seigneur dit que tout ce que vous me demandez, vous recevrez. Comprenez dès lors que ce sont vos pensées qui vous ont limité durant des lustres. Pendant des lustres, vos propres pensées vous ont limité. La Bible déclare qu'un homme devient tel qu'il pense. Et là maintenant, vous vous amusez à penser que dans la famille, il y a des maladies. Vous vous amusez à penser que vous êtes pauvre. Vous vous amusez à penser que vous êtes fauché. Vous vous amusez à penser que vous êtes vieille pour vous marier. Vous vous amusez à penser qu'il y a des choses qui ne vous ont pas destinées. Et par conséquent, par la puissance de vos pensées, vous avez créé des réalités dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui. Vous devez changer vos pensées pour que la réalité change. Voici pourquoi la Bible dit: soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Oui, sois transformé. Sœur, sois transformé. Frère, sois transformé. Sœur, maman qui me suit, grande sœur, grand frère, je ne sais qui me suit, mais sois transformé. Tu ne peux pas être un chrétien qui croit en la maladie mais qui ne croit pas en la guérison. Tu ne peux pas être un chrétien qui croit en la maladie mais qui ne croit pas en la guérison. Tu ne peux pas être aussi une chrétienne qui croit qu'il y a des sorciers dans ta famille. Tu crois que le mari de nuit existe. Tu crois qu'il y a des choses mais tu ne crois pas en la guérison. Qu'est-ce qui se passe, enfant de Dieu? Pourquoi nous avons assez d'énergie pour croire que le mal existe, mais nous n'avons pas assez de force pour croire que nous pouvons guérir? Pourquoi nous avons assez d'énergie pour croire qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais nous n'avons pas assez de force pour croire que Dieu est capable de changer notre histoire? Si donc nos pensées ne changent pas, nos raisonnements ne changent pas, notre vision du monde ne change pas, comment voulons-nous que notre réalité actuelle change? Comme je l'ai dit dans mon livre, à moins que l'image de notre monde intérieur ne change, le résultat de notre monde extérieur ne sera que le fruit de nos pensées futiles. Bien aimé, on attire ce qu'on pense, on n'est que le résultat que de ce qu'on pense. Bien aimé, tu ne peux pas agir contrairement à tes pensées. Tes pensées te tirent où tu veux aller. Tes pensées te poussent à choisir ce que tu veux. Tes pensées te poussent à dire ce que tu veux. Tes pensées te poussent à conditionner ta vie. Tu es le résultat et le fruit de tes pensées. Par conséquent, pour que ta vie change, tes pensées doivent changer. La vision que tu t'es formée de ta personnalité doit changer. La vision doit changer. Ta façon de voir Dieu doit changer. Tout doit changer. Tout doit changer. Tout doit changer. Tu ne peux laisser personne te limiter. Tu ne peux laisser personne te limiter. Tu ne peux laisser personne te limiter. Qui dit que parce que tu as 4 enfants, tu peux pas aller aux États-Unis? Qui dit? Qui dit que parce que tu as déjà échoué dans le mariage, tu ne peux plus réussir? Qui dit que tu es trop vieille pour essayer? Qui dit que c'est impossible? Je ne prêche contre personne. Je veux que les gens sachent que les rituels que nous appelons culte à Dieu parfois n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Il faut que désormais, on se laisse utiliser par Dieu. Je peux me réveiller et dire à Dieu: Seigneur, voici mon programme, mais dirige-moi. Seigneur, voici mon agenda, mais conduis-moi. Seigneur, cette année, j'ai prévu de faire ci, j'ai prévu de faire ça, mais conduis-moi. Parce qu'il se peut que je sois en dehors de ta volonté. Mais si tu me conduis, je serai dans ta volonté. Cessez de vous limiter.
Cessez de vous apitoyer. Cessez de vous entraîner à pleurer. Écoutez, n'allez pas devant Dieu seulement pour lui raconter seulement que vos malheurs. Soyez reconnaissant de ce qu'il vous donne la vie pour corriger vos fautes. Soyez reconnaissant de ce que vous avez encore la capacité à marcher, à parler. Soyez reconnaissant de ce qu'il envoie les gens vous conseiller, vous encourager, parce qu'il est encore temps. Il est encore temps. Cessez de vous taper là-dessus pour vos erreurs. Tout le monde en a fait. Les erreurs, on en fait tous. J'en ai fait plein, j'en fais chaque jour. Je suis désolé, mon frère, ma soeur. Même si on te prêche le péché, on t'enseigne à le quitter, tu ne seras jamais parfait. Par conséquent, accepte que tu es un humain et qu'un humain, ça fait des fautes. Un humain, ça apprend de ses fautes. Un humain, ça apprend de ses erreurs. Un humain, ça apprend à se relever quand on tombe, quand il tombe. Un humain, ça apprend à voir les choses dans la bonne direction. Un humain, ça apprend à faire des changements. Un humain, pour grandir, il doit faire des fautes. Un humain est fait d'imperfections. Et c'est en les comprenant qu'il grandit. Mais en continuant dans l'erreur, que veux-tu? Une chose est de commettre une erreur sans la comprendre, et puis une chose est de commettre une erreur et de la répéter comme si on s'en foutait. Les Ivoiriens disent, attends, excusez-moi, je n'insulte personne, c'est juste un terme que je vais emprunter dans le langage ivoirien chez nous là-bas en Ouchi. Il dit, il y a des gens qui posent des actes tellement graves. Il y a des gens qui posent des actes qui sont tellement flagrants que tu les regardes, tu te demandes, attends mon frère, tu es fou ou tu t'en fous? Ils te regardent et ils disent, attends, qu'est-ce qui se passe? Tu es fou ou tu t'en fous? C'est comme quelqu'un, tu es au volant, le feu est vert, lui son côté est rouge, et puis tu avances, il fonce sur toi. C'est-à-dire que tellement il fonce sur toi que toi-même tu te dis que tu avais la priorité, mais tu es obligé de t'arrêter. Parce que tu as l'impression que ce gars-là, soit il est fou ou il s'en fout. Parfois, tu as l'impression que les enfants de Dieu, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Quand tu les vois faire des choix, quand tu les vois prendre des décisions, quand tu les vois dans leurs choix quotidiens, quand tu vois les chrétiens, non. Parfois, tu as envie de demander à un chrétien, attends, mon frère, tu es fou, hein, ou tu t'en fous? Parce que ce que tu fais là, excusez-moi, les décisions que tu as prises là, ma soeur, le chemin que tu as pris là, la voie que tu as prise, ça là, vraiment, on doit te faire asseoir. On doit te faire asseoir. Et puis, pendant 2 minutes, intercéder pour toi. Et puis, on te poser la question de savoir, ma soeur, amusement à part, j'ai dit où? Et t'es posé la question là, entre toi et moi. On est à quelques mois de la fin de l'année. Ok? On est à quelques mois de la fin de l'année. Dieu a des promesses dans ta vie. Dieu a des projets dans ta vie. Il t'aime. Il veut te voir réussir. Il veut te voir changer de vie. Il est fatigué, malade de fatigue de te voir te plaindre toujours. De faire tes pleurs chinois là. Maouo, tout le temps c'est toi qui pleures, tout le temps c'est toi qui te lamentes. Tout le temps, c'est toujours toi. Tu veux quoi? J'ai dit, oh, tu veux quoi? Bon, là, on en vient à notre question. C'est comme on dit, est-ce que tu t'en fous ou bien qu'est-ce qui est le problème au juste? Ma soeur, tu t'en fous de ta situation ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère, Elo, j'ai là pour t'encourager. Il te dit que même si tu as déjà échoué, ça ne sert à rien de perdre ton temps à pleurer. C'est la vérité.
Michou, toi, tu t'es caché quand tu es sorti. Tu comprends? Même si c'est trop tard, même si les gens te mettent les bâtons dans la roue, j'ai dit, tu t'en fous de ta situation, ouah. Bon, tu vas me dire, mais frère Loge, depuis que tu parles là, j'ai changé, tu as changé. D'accord. Qu'est-ce que tu as changé au juste? Dis-moi. Qu'est-ce que tu as changé au juste? Tu comprends? La vie est déjà assez compliquée. Je te le dis, rien n'est facile. Rien n'est facile. Ma soeur, rien n'est facile. Si tu veux réussir, voici un élément important que je vais te donner. Si tu veux réussir, si par exemple tu as besoin d'intelligence, tu as besoin d'une clé, si tu as besoin d'une chose que tu crois être la solution à tes problèmes, si tu as besoin d'une chose, ça dit ce qui va constituer le sujet de ta joie, ce qui va constituer le sujet de ton bonheur, ce qui va constituer la clé qui va te permettre de dire, ouf, enfin, je suis libre. Cette chose-là, pourquoi ne pas dire à Dieu matin, midi, soir, matin, midi et soir, matin, midi et soir, matin, sans repos, sans relâche, sans repos, ne te donne pas de sommeil jusqu'à ta victoire. Pourquoi ne décides-tu pas de devenir comme Israël, comme un lion, comme une lionne, qui lorsqu'il a repéré sa proie, c'est jusqu'à la victoire. Les gens disent qu'ils ont prié. Tu as prié? Non. Tu n'as pas prié. Tu as commencé à prier. Tu n'as pas prié. Ne me dis pas que j'ai prié. Ne me le dis pas. Durant toute ta vie, tu as fait 7 heures de prière combien de fois? Est-ce qu'y a-t-il un jour de ta vie où tu as démarré la prière et tu n'as pas fait de pause pendant 8 heures? Dis-moi la vérité, ma soeur. Tu as prié, je suis d'accord. Mais je vais te poser la question de savoir. Quand tu prends tes moments de jeûne, combien de temps de prière tu fais? Je vais juste te mettre face à la réalité, ma soeur. Quand tu prends tes moments de jeûne, combien de temps durent tes sections de prière? Combien de sections de prière as-tu? Je vais juste vous faire comprendre que le terme prière est mal interprété. On ne prend pas de jeûne pour faire grève de faim. Tu es là, tu fais grève de faim pour devenir mince là. C'est ça que tu appelles jeûne. Quand on prend un moment de jeûne, c'est pour parler à Dieu. Quand on prend un moment de jeûne, c'est pour parler à Dieu, c'est pour prier. Tu as jeûné combien de temps? Faut pas me fatiguer avec tes histoires là. Tu as jeûné combien de temps? Ah! 4 heures minimum. Tu as jeûné combien de temps? C'est la vérité que je te dis, frère. J'ai fait l'expérience. Il y a des moments où tu prends des moments de jeûne. Tu prends des moments de jeûne. Plein d'occupations. Il y en a même qui prennent un moment de jeûne au travail. Quel jeûne ça? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le jeûne? Bien aimé, soit tu veux guérir de ta maladie, ma soeur. Tu dis, Seigneur, maladie là, celui qui est venu mettre dans mon corps là, il va venir prendre ça pour partir. Hey, il n'y a pas de temps à perdre. On n'a pas tant à perdre pour poursuivre sorcier. On est fatigué.
Sorti au nom de Jésus, le feu. À cause de ça, jusqu'à il y a des gens qui ont peau dure. Moi, là, si j'étais salut, là, tu vas croire que c'est parce que je coupe au bois. C'est pas parce que je coupe au bois, hein. C'est parce que je suis tout en train d'envoyer le feu, au nom de Jésus, le feu. Mais on est fatigué. Il y a des moments où sorcier a te demandé pardon pour dire voici ton truc, faut me laisser tranquille. On joue trop avec notre vie de prière. Il faut comprendre que le seul jeu que le diable joue, c'est celui de t'empêcher de te concentrer dans la prière. C'est tout. Il ne fait rien d'autre que ça. Il use de la distraction parce qu'il a peur de ta prière. Il use de la manipulation parce qu'il sait que si tu te concentres, bien aimé, vous l'avez déjà expérimenté avec moi. Depuis que vous avez commencé à faire mes prières, même des audios que vous récitez là, vous n'avez pas vu qu'il commence à vous attaquer? Petite prière seulement là, il commence à vous attaquer. Petite prière que vous faites avec éloge là, il commence à vous attaquer, vous n'avez pas remarqué? Vous commencez à faire des cauchemars et des rêves. Ça prouve que vous-même qui dites que vos prières ne sont pas efficaces là, vos prières sont efficaces. C'est parce que vous manquez de foi. C'est parce que vous manquez de conviction. C'est parce que vous êtes des chrétiens qui n'avez pas confiance en vous. Sinon, vos prières sont d'autant puissantes que celles que les hommes de Dieu font pour vous. Ayez un peu de confiance et de détermination en vous. Parce que la destinée que vous allez accomplir là a besoin d'une personne d'être déterminée pour la protéger. Une destinée même étant accomplie doit être protégée. Vous êtes là, le diable vous sort de vos lieux de bénédiction parce que vous êtes négligent dans la prière. Permettez-moi de le dire. On est négligent dans la prière. Des combats à moitié faits. Et on attend le miracle toute une année, toute une décennie. Parce que nous jouons avec la prière. Bien-aimé, un véritable guerrier, quand il commence une bataille, c'est jusqu'à la victoire. Un véritable guerrier. Une personne qui a envie de réaliser un projet ne commence pas le projet pour le laisser à moitié. Quand les sorciers décident de combattre quelqu'un, c'est jusqu'à l'éteindre. Jusqu'à l'éteindre. Vous devez leur apprendre à vous respecter. Vous devez apprendre à ces petits démons à vous respecter. Vous devez apprendre à ces petits sorciers à retirer vos noms de leur liste. Mais avec ce genre de chrétiens que nous sommes aujourd'hui, chrétiens qui prétendent jeûner, jeûnent pour bavarder, jeûnent pour regarder des films sur Internet, jeûnent pour dormir, ça c'est pas jeûne. Tu as trompé qui a ça là? Tu jeûnes et puis tu dors pour ne pas avoir faim là, c'est ça que tu appelles jeûne? Quitter devant moi et tes jeunes bidons là. On jeûne mal. La Bible même nous dit, est-ce cela ce qu'on appelle un jeûne? Est-ce cela ce qu'on appelle un jeûne? Vous jeûnez, vous vaquez à vos occupations? Non. Je suis d'accord que vous avez des contraintes, hein, parce qu'il faut travailler, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais bien aimé, je vais vous dire que si moi, Éloge, j'ai une situation qui me tient à cœur, si moi, Éloge, j'ai quelque chose qui est primordial pour moi, essentiel pour moi, si toi, ma sœur, tu penses que ton mariage est le plus important des trucs de ta vie. Si toi, tu sens que tu es entre la vie et la mort. Si toi, excusez, qui penses que tu es dans une situation qui te stresse, qui t'inquiète, qui te met dans la désolation à tel point que tu n'as plus de vie et de peur. Si toi, tu penses que ton âge est en train d'avancer, tout le monde progresse, tu es en retard. Si tu penses que tu es malheureux à tel point qu'il faut une solution pour que tu sois heureux ou heureuse, qu'est-ce qu'il y aura de plus important pour toi que ta liberté?
dis-moi, qu'est-ce qu'il y aura de plus important pour toi que ta délivrance? Qu'est-ce qu'il y aura de plus important pour toi que ta santé, alors que la maladie ronge ton cœur, ronge ta vie? Le cancer de la paresse, le cancer de la négligence, le cancer de l'indifférence, le cancer de l'apitoiement de soi, le cancer du bavardage, de la distraction est en train de te voler ta précieuse vie. Le cancer des disputes, le cancer de la malchance, le cancer de la désolation, du rejet, le non-accomplissement, l'échec, la pauvreté. Ta vie n'est que désolation. Ta vie n'est que détresse. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que ta liberté pour trouver des excuses, pour attendre que quelqu'un vienne t'imposer la main pour que tu guérisses? Qu'est-ce qu'il y a qui est plus important que ta souveraineté, que ta vie sur terre? Il n'y a rien au ciel à accomplir si ce n'est le repos, les projets, les victoires, les combats, le succès, le bonheur, la joie que tu recherches, la paix du cœur, la victoire et les réalisations. C'est maintenant. Alors, dis-moi mon frère, dis-moi ma sœur, qu'est-ce que j'ai à faire avec tes excuses? Dis-moi, qu'est-ce que Dieu lui-même a à faire avec tes excuses? Dis-moi tes nombreuses excuses avec lesquelles tu te blagues toi-même. Qu'est-ce qu'on a à faire? Nadine, j'ai quoi à faire avec tes excuses? Non! Tu rentres dans ta destinée ou rien, c'est tout. Parce que je suis occupé, parce que je travaille trop, mais écoute, moi aussi je travaille trop. Hier, je suis resté debout à réfléchir, debout à penser, debout jusqu'à presque 6 heures du matin. On n'a que fait de tes excuses. Tu rentres dans ta destinée, un point c'est tout. La meilleure excuse que tu as à nous donner, c'est que maintenant tu veux te battre pour ta vie, c'est tout. La meilleure excuse que tu as, c'est que maintenant tu dois prendre tes deux pieds et te sortir de cette situation dans laquelle tu es allé te mettre. La meilleure excuse que tu puisses me donner, c'est de reconnaître que tu as fait des erreurs, que maintenant tu vas te battre pour ta vie. La meilleure excuse que tu as, c'est que maintenant tu as compris que si tu dois sortir de là, c'est toi-même ton choix. La meilleure excuse que tu dois trouver, c'est que maintenant tu penses que tu dois gagner cette bataille qui n'a que trop duré. La meilleure excuse, c'est que tu ne te laisseras plus écraser, détruire. La meilleure excuse, c'est que tu ne laisseras plus personne bouffer ton énergie, ton temps. C'est tout ce que tu as à faire, c'est tout. Quelle excuse peux-tu me donner? Quelle excuse peux-tu me donner quand tu as des enfants qui ne se nourrissent pas, quand tu ne trouves rien à manger, quand tu n'as pas de quoi t'habiller, quand tes enfants roulent en voiture, quand tes amis roulent en voiture, toi tu marches, tu te promènes? Quelle excuse as-tu à me donner? Quand rien ne va, quand tu prends de l'âge, à ton âge, pas d'homme, tu vas me dire que c'est parce que tu es marié, c'est parce que tu as des enfants qu'on ne veut pas te prendre. Que d'excuses, on n'en a rien à foutre, je suis désolé de te le dire. Tu rentres dans ta destinée, un point c'est tout, permets-moi de devenir un peu dramatique. On n'en a rien à foutre. Ça ne change rien de t'excuser. Ça ne change rien de trouver des excuses. Ça ne change rien de te blaguer. Ça ne change rien de te mentir à longueur de journée. Ça ne change rien, rien et rien, et ça ne changera rien. La meilleure excuse, bats-toi. Parce qu'il y a trop de monde derrière toi qui dépendent de ta vie, qui dépendent de ton succès, qui dépendent de ta victoire. Tu dois leur dire que cette vie, elle est à toi, que tu ne laisseras personne la démolir, la foutre en l'air. C'est la meilleure excuse que tu puisses trouver aujourd'hui pour me faire plaisir. Sinon, tes racontages, tes histoires, tes blablabla, j'en ai rien à foutre. Je veux te voir heureux. Je veux te voir heureux.
Je veux te voir heureuse. Je veux te voir leur dire, je ne me laisserai pas écraser. Vous avez foutu des milliers de vies en l'air, mais pas la mienne. Dis-leur, vous avez écrasé de nombreuses destinées, mais cette année, je ne serai pas votre victime. Fais plaisir à ton Dieu un jour, au lieu de le décevoir avec tes pleurs. Fais plaisir à ton Dieu. Quelle histoire, mon papa a fait ça, ma maman a fait ça, mon tonton a fait ça, on s'en fout de ça. Dis-leur, on s'en fout de ça. Dis-leur, on s'en fout de ça. Mon papa a fait ça, c'est à cause de celui-ci que je ne réussis pas. C'est pas à cause des sorciers qu'on s'en fout, c'est parce que toi-même tu ne veux pas réussir. C'est parce que toi-même tu ne veux pas réussir. Quel sorcier qui a venu t'empêcher de réussir? Quel sorcier? C'est ta paresse qui t'empêche de réussir. Sorcier là-même, là, si tu t'es levé pour le brûler pendant 15 jours, là, tu penses qu'il va te laisser tranquille? Mon frère Gaston, est-ce que je me trompe? Tu as brûlé le sorcier 15 jours. Au nom de Jésus, le feu, tonnerre, je te purige avec acide. Sorcier là-même, là, il va dire, je suis fatigué, pardon, vous me laissez pas dire. Lui-même, il va dire, pardon, je suis fatigué, faut me laisser partir. Tiens, là, tu joues avec ta vie, tu trouves des excuses. Faut pas me saouler avec tes excuses là. Cette année-là, je t'ouvre grandement la porte. Rentre et possède ton miracle. Si quelqu'un veut se tenir sur ton chemin, dis-lui qu'il a trouvé la mauvaise personne sur son chemin. Dis-lui qu'il a trouvé la mauvaise personne sur ton chemin. Si la maladie veut se tenir sur ton chemin, dis-lui, tu as trouvé la mauvaise personne sur ton chemin. Frère, sœur, regarde, hein, tu t'es amusé avec ton année. Tu t'es amusé avec tes jours. Tu t'es amusé avec ton temps. Tu t'es amusé avec ta vie. On est en septembre, il faut t'amuser, bientôt on sera en octobre. Tu vas te rendre compte que ton année est en train de finir. Tu vas avoir un an de plus sans réalisation. Tu vas avoir un an de plus dans la pauvreté. Un an de plus en retard. Un an de plus dans le célibat. Un an de plus dans la misère. Un an de plus dans les pleurs. Un an de plus dans la maladie. Je ne viendrai jamais à l'anniversaire de tes échecs. Je te le dis en même temps. Je ne viendrai jamais à l'anniversaire de tes deuils. Je veux venir à la célébration de ta victoire. Tes amis sont en train de célébrer leurs millions. Toi, tu veux quoi? Tu penses que quoi? Tu as une vie. Tu la mérites toi aussi. Tu as une vie. Tu veux tenir tes enfants dans la main. Dis Seigneur, merci pour ce beau bébé. Et quelqu'un est assis là-bas et dit que tant que lui vit là, tu n'as pas à avoir enfant. Et puis tu es content, tu as le temps à trouver des excuses pour ça. J'ai dit, tu veux qu'elle te trouve chez toi là-bas ou quoi? Tu as le temps à trouver des excuses. Non. Fini. Fini. Tes excuses. Non, c'est parce que mon papa ne m'a pas donné l'argent. C'est parce qu'ils ne m'ont pas mis à l'école. C'est parce que je ne suis pas allé au collège. On s'en fout de ça. Est-ce que moi je suis allé au collège? Est-ce que banc de collège m'a une fois vu? Tabouret même de collège m'a une fois vu? Mais je suis devenu écrivain international. Mes livres font partie des meilleurs livres, grâce à Dieu. Même les pasteurs américains témoignent. Même pasteurs américains témoignent. Le livre là est un livre qu'il a. Voilà. On peut partir de rien du tout pour devenir quelqu'un. Tout simplement en mettant notre confiance en Jésus. Et en décidant de nous battre pour ce qu'on veut. On se bat pour échouer au lieu de se battre pour réussir. Oui, mais c'est ce que Dieu, c'est ce que notre comportement prouve. Il y a beaucoup qui se battent pour échouer. Tout en train de pleurer. Tout en train de s'amuser. Tout en train de se lamenter. Tout en train de se plaindre. Tout en train de se fatiguer avec des excuses. Tu te caches derrière tes excuses. Tu te voiles la face avec tes excuses. On s'en fout de ça. On n'a pas le temps pour écouter excuses. Oui, homme de Dieu, c'est parce que... Mais on s'en fout de ça.
J'ai dit, cette année-là, tu rentres dans ta destinée ou bien tu fais quoi? Tu rentres ou tu rentres? Les hommes de Dieu ont le temps pour écouter tout, tout et même ce qu'ils n'ont pas besoin d'écouter. Non, 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 non. Ma soeur, tu n'as plus de temps à perdre. Là où tu es là, avec ton âge là, ton âge 2019, tu vas avoir un an de plus. Et peut-être c'est dans la galère, peut-être c'est dans les problèmes, peut-être c'est dans la misère. Tu dois décider que problème reste derrière moi et moi j'avance. Parfois là, il faut utiliser certains termes, c'est pas par arrogance, pour ouvrir les yeux aux gens, pour qu'ils comprennent que, ah, toi aussi. Mon frère m'a donné un conseil. C'était dans la plaisanterie, mais c'était un conseil qui m'a réveillé. C'est là, toujours, ah frère, j'ai des problèmes. Ah frère, j'ai des problèmes. C'était un bon conseil. Ce conseil m'a réveillé. J'appelle, ah tu as temps. J'appelle tel cousin, j'appelle telle personne, j'appelle tel, j'ai besoin d'argent. Toujours, il faut trouver quelqu'un pour m'envoyer 200 dollars pour me soutenir parce que je ne gagne pas assez. Vous voyez? Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Je suis de retour. Donc, toujours j'appelle les gens. Alors, bien aimé, les compagnies de prêt me connaissaient au Canada. Et j'appelle mon frère. Puis je lui dis... j'ai besoin d'au moins 200 dollars parce que j'ai un problème. Il m'a donné l'argent. Mais avant de me donner l'argent, il m'a donné une leçon. Il a dit une phrase. Quand je lui ai dit j'ai des problèmes, il dit c'est toi qui as toujours problème. Toi là-même, là, tu as toujours problème. Je me suis assis, j'ai dit mais il a raison. Depuis que je suis là, là, c'est moi, il y a toujours problème. Quand j'appelle telle personne, j'ai tel problème, il faut m'aider. Quand j'appelle telle personne, j'ai tel problème, il faut m'aider. C'était devenu comme une maladie dont je devrais me débarrasser. Alors, j'étais en conférence à London. À London, j'étais en conférence. Quand je me suis rappelé qu'au préalable, j'avais pris un prêt avec une compagnie qui m'a envoyé une lettre. La compagnie m'a bien envoyé la lettre. Hein. Oui, vous aviez déjà pris un prêt avec nous. Vous avez payé. Vous êtes vraiment un bon client. Bon client des dettes, un bon client, et puis bon, ben, vous êtes admissible. Vous êtes de nouveau admissible. J'ai dit, waouh, admissible. Là, maintenant, je vais prendre la dette. Et puis, quelques temps après, la compagnie m'appelle. La jeune fille m'a parlé mal. Mal! L'argent que vous m'avez demandé pardon pour me donner là. Je suis en train de payer, vous me parlez mal pour ça. Mais ça m'a amené à réfléchir. Oui, mais ils te parlent mal, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Qui t'a envoyé d'aller chercher l'argent? Ils te parlent mal. Éloge. Ils ont raison. Soit tu décides de changer ou les gens vont continuer de te parler mal. N'entends-tu pas ce qu'ils te disent? Ce sont des leçons qu'ils te donnent. Moi aussi, je te dis la vérité. Soit tu décides de prier ou les pasteurs vont continuer de te parler mal. Soit tu décides de changer ou les gens vont continuer de te parler mal. Tu as le choix. Moi, j'ai pris conscience. Éloge. Soit tu changes ou les gens vont continuer à te parler mal. Soit tu changes ou les gens vont continuer à te parler mal pour leur argent. Moi-même, je te dis aujourd'hui à mon frère, ma soeur, si tu veux, tu changes. Si tu veux, tu prends le taureau par les cornes. Parce que les gens vont t'aider, mais un jour, ils en auront marre. Ben, mieux que drap. Même si ça fait mal, il faut le dire quelquefois. Même si les gens t'aiment, même si les gens t'apprécient, même si les gens t'adorent, un jour même, ils vont te parler mal. Même ton mari, même qui est là, la même jour, te parle mal. De temps en temps, vous parlez mal, mari, femme. Ils se frottent, ils se cognent, ils se tapent. Et puis après, voilà, ils sont ensemble. Comme Zongo et Tao. Jamais d'accord, mais toujours ensemble. Zongo. Comme il y a des couples de Zongo et Tao. Jamais d'accord, mais toujours ensemble. Oui. Si tu es fatigué, que les gens te parlent mal. Aujourd'hui, je te dis que toi, en qui il y a des dons,
mais tu laisses les gens te traiter comme une ordure, comme un vêtement de seconde main. Réveille-toi. Ils t'ont parlé mal, ils t'ont insulté. Avant même de te donner, parfois ils t'insultent, parfois ils t'insultent, ils ne te donnent rien. Tu es en septembre, tu joues encore avec ta vie. Des prières. On dirait de pousser un peu tes prières au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures pour que l'ennemi soit fatigué, te laisser tranquille. Tu es encore en train de faire Vierge Marie, Mère de Dieu, prier pour nous. Restez là. Faut rester là. Vierge Marie, Mère de Dieu, prier pour nous pauvres pécheurs. Toi là, tu t'es pas encore repenti de tes péchés. Il y a des gens qui me fatiguent quoi. Moi je comprends pas, ils sont nés dans quel monde quoi. Ils nous fatiguent avec leurs histoires là. Ah! Toi là, tu t'es pas encore repenti de tes péchés. Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Faut pas sortir de tes histoires là. Le temps est en train de passer. C'est la vérité. Faut changer. Faut changer. Faut laisser Marie tranquille où elle est là. Faut la laisser tranquille. Va. Saisis les petits démons, brise-les. On respecte Marie parce que c'est la mère de Jésus. Mais ça là, c'est une affaire personnelle. Il faut laisser Marie en dehors de ça là. Ça là, laisse-la. Confesse tes péchés pour des bons maintenant. C'est bon. Toi là, tu as resté pauvre pécheur. Pauvre pécheur, tu ne changes jamais. Les chrétiens têtus là. Depuis Jésus est mort pour eux, mais ils sont toujours pauvres pécheurs. Ah! Pauvre pécheur. On t'a pas dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tu n'as pas encore compris ça. Vierge Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs. Ah, vraiment, il y a des gens. Péché les fatigue. Il y a des gens, péché les fatigue trop. Ah, my God, vraiment, la vie est grave. La vie est compliquée, quoi. Parfois, je ne sais même pas ce qui nous arrive. Je ne sais pas si on comprend où on va. Ou je ne sais même pas. Soyons sérieux, ok? Soyons sérieux. Je n'insulte personne. Je vais vous faire prendre conscience du fait que ça fait longtemps. Ça fait longtemps, on se fatigue pour rien. Jésus dit, je suis là pour toi. Tu te fatigues. Tu n'es même pas encore fatigué. Ça dit qu'il y a des gens qui aiment stress. Tu aimes stress. Il y a des gens qui aiment, ils aiment se stresser. Bien aimé, est-ce que vous savez combien parfois, bon régime, femme qui cherche à maigrir là, je te conseille stress. Stress. Tu vas maigrir, tu vas perdre ton poids en quelques jours. Si ton mari dit que tu es trop grosse, il faut lui dire rien. Faut pas, c'est pas compliqué, faut me stresser. C'est tout. Il se plaint, ma chérie, tu es en train de prendre du poids. Hein, ça veut dire quoi ça? Faut lui dire, faut me stresser. Tu vas maigrir en quelques temps. Il y a des gens qui aiment stress. Non. Aujourd'hui, là, où tu es là, décide maintenant de couper avec les habitudes suicidaires. Là. Décide de couper avec les poisons de la vie. Là. Décide. 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 Voici 2019 qui arrive en plein. On dirait ça coup même pour venir. 2019 qui vient à grands pas. Bien aimé, quand j'ai tant de penser à janvier 2018 même, je ne sais même plus où ça se trouve. Je ne me rappelle même plus ce que je faisais. Je dis, yeah, mince, le temps passe vite. Nom de Dieu. Les musulmans disent wallahi. Les djoulas disent wallahi billahi. Les Ivoiriens disent pa, vraiment le temps passe vite. Il y en a, ils sont stupéfaits. Le temps passe vite, effectivement, le temps passe vite. Le temps passe vite et on n'a même pas une garantie que les choses vont changer si on ne change pas d'attitude. Le temps passe vite. Tu fais des projets depuis 10 ans. Ah, commence un peu. Non. Faut pas me faire parler le soir là. Non. Ne te sous-estime plus et ne laisse plus personne te rabaisser. Je te le dis, ne te sous-estime plus. Mireille, ne te sous-estime plus. Maman,
ne te sous-estime plus. Raoula, ne te sous-estime plus. Sœur, frère, ne te sous-estime plus. Ne permets plus à quelqu'un de te rabaisser. Ah! Ne permets plus à quelqu'un de te traiter comme si tu étais un moins que rien. Pourquoi? Pourquoi? Et toi aussi, ne prends pas des décisions qui te rabaissent, parce qu'il y a des gens qui se rabaissent. Oh! Ils se rabaissent. Ils se rabaissent. C'est eux-mêmes qui se font marcher dessus. Chrétien qui n'a jamais confiance en lui. Chrétien qui pleure. Tu peux les engager pour funérailles chinois. Vous allez voir, il y en a, parce que je suis en train de parler là. Il y en a qui vont aller devant Dieu là. C'est pour pleurer. Pleurer, pleurer. On dirait qu'ils ont funérailles bêtées en vue. On dirait qu'ils ont funérailles bêtées en vue. Oh, vous exagérez. Non. Non. Là où tu es là. Là où tu es là. Constant Mbolo, arrête de me regarder là-bas. Là où tu es là. Là où tu es. Là où tu es assis en ce moment, je veux que tu jettes un regard autour de toi. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Je vais te poser la question. Regarde rapidement. Pardon, fais un effort. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Regarde dans ta famille. Regarde. Est-ce que tu es fier de la façon dont la vie te traite? Dis-moi. Est-ce que tu es fier de la façon dont les hommes te traitent? Ou bien parce que tu es dans cette situation, tu penses qu'ils ont le droit de te malmener? Ou bien parce que tu as besoin d'eux? Non, est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es fier? Lève-toi dans la rue et marche! J'ai lu le livre de Robert Schuller au Ghana. Je partais voir quelqu'un qui avait bouffé mon argent. Il m'avait déçu, il m'avait troublé, il m'avait déçu, il m'avait donné même, je ne sais pas, déception. J'ai commencé à lire l'histoire de Robert Schuller et de son père. Et je suis descendu. J'ai commencé à marcher la tête haute. J'ai retrouvé espoir. Avant, je marchais dans la rue avec le regard inquiet. Yeah, Seigneur, j'ai trouvé mon bonheur où? Oh? Ouh, Seigneur, avec des lamentations. Déjà, même quand on te croise dans la rue, tu commences à afficher une mine de quelqu'un qui est en deuil pour qu'on ait pitié de toi. Ça, là, c'est fini. Ce jour-là, j'ai décidé de marcher la tête haute. Marche la tête haute! Comme un vrai enfant de Dieu. Relève la tête. Marche la tête haute. Cesse de faire pitié pour qu'on ait pitié de toi. Cesse de t'apitoyer. On s'en fout de ça. Les hommes, ils n'ont que faire de tes pitiés, je ne sais quoi. Ils n'ont que faire de ça. Il y a des gens qui sont là pour se réjouir de tes pleurs. Tu penses que quoi? Il y a des gens qui n'attendent que ta chute pour danser. Tu penses que quoi? Ils ont le temps pour quoi? Ils ont le. Tu vas faire pitié dans ce monde-là. Dans ce monde-là où tu fais pitié, c'est là où on te bouffe là. Oh. Pitié dans cette jungle. Bonjour. LB Gloria Tano. Non. Défends ta destinée. Jésus-Christ voulait te voir. Il voudrait te voir. Relever la tête. Tu ne peux pas accepter de terminer ton année sans rien ajouter à ta vie. Mais c'est décevant ça. C'est tragique. Et même un crime contre l'humanité. Un crime contre ta personnalité. Un crime. Là, là, je risque d'être accusé de ce crime contre ta personnalité. D'être une personne rempli de dons, de potentiel en qui Dieu fait confiance, et tu es assise. Tu ne peux pas terminer cette année sans avoir rien ajouté à ta vie. Tu ne peux pas terminer cette année sans avoir visité un nouveau pays. Tu ne peux pas terminer cette année
Non. Interdiction. Interdiction. Tu as reçu aujourd'hui pour interdiction de rester la même personne jusqu'à la fin de cette année. Ah! Voici un avion qui s'en va. Voici l'avion qui est là-bas. Je ne sais pas s'il peut te montrer ça. Ça s'en va. Avion, tu passes où? Regardez. Oh, oh. Bon, ben, il s'en va. Hein? Bon, je l'ai perdu de vue. Bon, l'avion est parti. Bon, au moins, voici un véhicule qui s'en va. Ce que je tente de faire comprendre. La vie n'est pas faite, frères et sœurs, pour rester la même. Ta vie n'est pas faite pour rester la même. Tout ce que le diable fait, reste là, ne bouge pas. Tu commences un projet, reste là, ne bouge pas. Tu annonces un projet, reste là, ne bouge pas. Calme-toi, attends seulement, calme-toi. Mais tu es en train de vieillir. Tu ne peux pas accepter. J'ai dit, tu ne peux pas. Tu as trop à donner à l'humanité. Tu as trop à offrir à ta famille. Tu as trop à offrir à ta génération. Tu as trop à donner à ce monde. Dieu voudrait que tu te lèves. Il y a des familles, leur revenu ne changera pas. Même en fin d'année, ils auront encore des dettes. Il y a des gens, leur vie ne changera pas. Regardez bien aimé, je veux m'améliorer. Je suis allé à la librairie. Je suis écrivain conférencier. Les gens disent que mes livres font partie des meilleurs livres chrétiens. Mais je suis allé me documenter. Je suis allé me documenter. Je suis allé me documenter. Parce que je veux que ma vie aille de mieux en mieux. Je ne peux pas être satisfait de mon état. Je ne peux pas me contenter de ces petites réalisations. La Bible dit, demande-moi des nations, je te les donnerai, et les extrémités de la terre, je te les donnerai pour possession. Alors, pourquoi chercher à être chef du village ou chef des quartiers? Si on me donne des nations, si on te donne des nations, pourquoi veux-tu être chef des quartiers ou bien chef des associations des et des BT? Chef des associations des BT, chef des associations des Camerounais. Tout ça, là, c'est pour avoir problème. Tu vas faire des réunions, c'est même des réunions. Chef des associations des je ne sais quoi. Faut pas quitter là. Chef des associations des Ivoiriens en Italie. C'est bon, hein? Bon, ben, on va voir l'année prochaine. C'est la vérité. C'est la vérité. Vous avez trop à donner à ce monde. Moi, je suis né pour motiver. Je suis né pour motiver. Et c'est ce que je sais faire de mieux. Je suis né pour motiver. Ce qui est en toi, je vais ressortir ça, déposer entre tes mains et puis te dire, regarde ce que tu peux devenir, mais tu es en train de jouer. Regarde ce que tu peux encore réaliser. Oh, oh. Faut pas te fâcher, hein. C'est pas de toi que je parle, ok? C'est pas de toi que je parle. J'ai pas dit ton nom. Ataï, lève-toi et dis, non, Satan, tu ne peux pas m'emprisonner dans un projet de miettes. Tu ne peux pas me limiter. Tu es illimité, enfant de Dieu. Ceux qui se confient à Dieu sont comme un arbre planté près d'une source d'eau. Bien-aimé, regardez l'arbre qui est planté là-bas. Cet arbre est en train de grandir. Lorsque je venais d'arriver dans ce quartier, ces arbres n'avaient pas cette taille. Et aujourd'hui, regarde-les. En train de croître. Regarde-les. En train de croître. Bien-aimé, s'il te plaît. Et si tu décidais maintenant d'avoir au moins des visions dans la vie, des rêves et des projets. 2019, ça va te trouver encore dans cette histoire-là. Mais ça sera tellement décevant que le Seigneur t'a créé pour des grandes choses, mais que tu es resté avec des petites choses parce que tu es infecté par le syndrome du moindre effort. Tu dois refuser ça. Libère le trésor qui est en toi. Aie
avec des objectifs nobles. Tu perds un temps fou à ne rien faire de bon qu'à faire plaisir aux hommes. Bien-aimé, parfois, faut évaluer tes projets. Évalue tes projets. Évalue tes relations. Évalue tes choix. Ça t'apporte quoi ou ça t'apportera quoi? Ça t'apporte rien? Bye bye. C'est tout. Il y a des gens qui termineront l'année avec les mêmes problèmes. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, sors-toi un nouveau calepin. Un nouveau calepin. Sors-toi un nouveau calepin. Objectif pour janvier 2018. Ce n'est pas accompli. En janvier 2019, je dois l'accomplir. Mon objectif, pourquoi ? Décembre. Tout est fixé. Mon calendrier de l'année est bouclé. Je prépare mon calendrier de l'année prochaine. Puisque je ne veux pas rater mes objectifs, je les note. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, de mon plan, je mets de côté. Je mets de côté. Je mets de côté. Tu es là, aucun projet. Depuis que tu es marié, là, c'est fini. Tu es devenue femme de ménage. Faut pas m'énerver à tes histoires là. Parce que j'ai des enfants, j'ai des enfants. Tu penses que des enfants ont besoin d'une mère paresseuse? D'une mère qui dort à la maison seulement en attendant que papa ramène de la nourriture? Non. Tes enfants ont besoin d'une mère exemplaire. Ce que vous savez pas là, c'est que quand une mère termine en tant que mère de ménage, ses enfants aussi deviennent des mères au foyer, ménage. Mais quand cette mère entreprend, cette mère développe ses idées, elle inclut la même chose, elle inclut la même chose à ses enfants. Je vous le dis, c'est pas par hasard. Mon papa était entrepreneur. Mon grand-père était entrepreneur. C'est pas étonnant que quand je suis venu au Canada, ma première vision était de créer une société. Quand vous voyez, ma compagnie s'appelle Itano. Mon entreprise s'appelle Itano. Mais Itano, j'ai juste ajouté un I à Tano. Tano qui était le nom de mon grand-père, qui était l'un des premiers entrepreneurs de mon village. Il avait des machines, des ouvriers qui travaillaient pour lui. Mon papa avait aussi des machines qui venaient prendre des produits pour aller vendre en France, tout, des ouvriers qui travaillaient pour lui. Donc, en étant entrepreneur, mon père m'a transmis le don de devenir entrepreneur. Et aujourd'hui, je bénis le nom de Dieu. Parce que cet esprit m'a permis d'être quelqu'un qui veut changer la vie des gens. Votre succès est un chemin que vous ouvrez pour le succès de vos enfants. Mais tout ce que vous faites affecte les enfants. Vous allez voir qu'il y a des familles où personne n'a des rêves, personne n'a des projets. Et si vous analysez la vie des parents, vous allez voir que les parents aussi ont toujours visé bas. Ils se sont contentés du peu, d'une vie modeste qui ne cherche même pas à impacter les gens. Pour moi, si j'ai eu un peu à manger, c'est l'essentiel. Si j'ai un coin à dormir, c'est l'essentiel. Et puis quand ils font leur prière, bidon, c'est ça. Seigneur, si j'ai eu un peu à manger, c'est l'essentiel. Maintenant, demain, quelqu'un a les problèmes. Quand il t'appelle, tu es tellement limité parce que tu as passé toute ta vie à demander que des petites choses insignifiantes à Dieu, que pas fini, demain ton frère est malade, tellement tu es fauché, tu es limité que tu peux même pas aider quelqu'un parce que toute ta vie là c'est resté à ton niveau. Seigneur, le peu que je puisse avoir pour mes enfants et autres, demain on annonce, on dit les orphelins ont besoin d'aide, même tu peux pas, parce que tu sais que tellement c'est peu, si tu enlèves un peu dedans seulement, toi même là tu seras dans les problèmes. Donc, comme tu ne veux pas te mettre dans la nuit, tu préfères jouer les avares et même peut-être les menteurs parce que tu as du genre, tu n'as rien, parce que tu n'as pas assez. Salut Xavier Mouakou. Xavier Mouakou, comment vas-tu? Vous voyez, tu dois refuser cette vie-là. Tu es venu en Europe, ta vie n'a été que bataille, problème, difficulté. La vie n'a pas été facile pour toi. Ça, je peux le sentir. Tu n'as pas besoin de me le dire. Le simple fait que tu as tapé 30 ans dans ce pays, tu n'as rien réalisé chez toi. Ça montre que la vie n'a pas été facile pour toi. Tu sais par quelle dette tu es passé. Merci Xavier. Je suis le bon petit de M. Maïwan. C'est moi, Peace. On m'appelle Peace. Vous n'avez pas entendu mon petit nom, hein? Donc, vous voyez que
Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Sors ton calepin. Aujourd'hui, sors tes calepins. Tes premiers projets là, peut-être que tu as trop bavardé. Tes premiers projets, peut-être que tu l'as trop annoncé. Tes premiers projets, peut-être que tu as trop divulgué. Jusqu'à c'est tombé dans l'oreille du diable. C'est tombé dans l'oreille de tes ennemis. Là, faut utiliser la sagesse divine. Écris de nouveaux projets. Assure-toi les 7 meilleurs projets de l'année ou les 12 meilleurs projets de l'année. Si tu veux avoir du succès, fais un mois un projet. C'est tout. Un mois un projet. Bien aimé, la plupart du temps, ce n'est pas compliqué de réaliser nos rêves. Hein? Je vous assure, ce n'est pas compliqué de réaliser nos rêves. Les seules difficultés que nous rencontrons dans l'accomplissement de nos rêves, c'est comment réaliser les pièces maîtresses, excusez-moi, les pièces maîtresses de notre rêve. Comment trouver la personne qui va nous aider? Comment trouver les moyens financiers? Comment mettre tout en place? Sinon, le rêve même pour le réaliser, c'est en quelques jours, en quelques temps. Je peux rassembler les papiers. Je peux aller demander visa de l'Italie. Je peux préparer mon voyage. Tu as besoin de tels papiers, va chercher. Tout cela pour réaliser ton rêve en quelques heures. Quelques heures, tu prends ton vol, l'avion décolle et tu es en Italie. Tu as réalisé ton rêve. Mon plus beau rêve était de voyager en Italie et tu es en Italie. Mais ça t'a pris du temps pour préparer le voyage. Et je vais me marier. Tu cours à gauche pendant 2 ans, tu prépares le mariage. Tu t'en cherches qui va être ton parrain, qui va être ta marraine, qui va être garçon de cœur. Peut-être que c'est Vejo qui est ton garçon de cœur ou bien garçon de je ne sais quoi. Tu vas réfléchir, prier. Mais le mariage, monsieur Pacheco, voudrez-vous prendre pour l'épouse mademoiselle X, Y, Z? Oui, le rêve est réalisé en quelques temps. Mais ça t'a pris des années pour réfléchir, Seigneur, qui va être mon mari? Qui va être ma femme? Qui va être ceci? Qui va être cela? Rien que pour réaliser le rêve en quelques temps. Et c'est ce temps précieux-là qu'il y a des gens qui prennent pour pleurer devant Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse, tu fous rien, il n'y a qu'à te bénir dans quoi? Tu veux que Dieu te bénisse? Tu as fait quel projet? Chrétien qui prie pour attendre miracle, chrétien qui prie pour dormir, chrétien paresseux de nos jours qu'on est là. Tu veux que Dieu te bénisse, bien aimé? Dieu bénit quoi aujourd'hui? Mes livres. J'ai passé des nuits sans dormir à écrire, des nuits à faire des recherches, des années à planifier. Et aujourd'hui, je sais comment promouvoir mes livres. Je sais comment toucher. Tout récemment, on m'a dit que la plus grande église du Canada qui vend mon livre, ils sont en rupture de stock. Ils n'ont plus de mon livre. Tout est fini. Il fallait que j'aille faire des recherches. C'est le travail que Dieu bénit. Alors toi, tu es spécialisé dans la prière. Et puis bon, tu es bien aimé. Même si tu es pasteur, tu dois avoir l'idée créative. Même si tu es prophétesse. Ces histoires des pasteurs fauchés qui doivent compter seulement sur les enfants de Dieu là. C'est de nos jours. C'est de nos jours, un pasteur abandonne tout, je travaille en plein temps et puis il vit sur le dos de ses enfants. Moi, je suis, elle ne peut pas vivre sur le dos de quelqu'un. Dieu t'a touché pour me faire offrande, je t'ai béni et puis je prierai pour toi, c'est tout. Je vais même intercéder pour toi pour que tu me donnes davantage parce qu'il y a besoin de soutien. Mais je ne vivrai pas sur le dos d'un enfant de Dieu. Parce qu'il a aussi ses défis. Si Dieu l'a béni, tant mieux. Mais en attendant que l'enfant de Dieu s'en sorte là, moi, je travaille pour moi-même. Parce que, bien aimé, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Bien mieux que drap. Quand tu vis sur le dos des gens, quand ils sont fatigués, ils te jettent. C'est la vérité. Quand bagaille perd tout, tu ne jettes pas. Il faut savoir que vous ne serez jamais libre tant que vous dépendez de quelqu'un. Vous ne serez jamais libre tant que vous dépendez de quelqu'un. Et vous ne serez jamais libre et vous ne saurez jamais ce que l'avenir vous réserve tant que vous vous contentez de travailler pour vos patrons et puis vous n'avez aucune réalisation. Mais le jour où le patron décide de te mettre dehors, tu es foutu, tu dois reprendre à zéro à chercher du boulot. Il faut investir, il faut faire des projets, il faut être créatif, il faut réfléchir. Ici en Amérique, tu travailles pour un patron.
Le jour où tu es malade, on ne te paye pas les jours de maladie. Sauf si tu as assurance maladie, congé maladie. Là même congé maladie, ils vont payer pour quelques temps et puis quelques jours après, s'ils voient que ça dure trop, ils vont chercher à te renvoyer. Te coller une faute dans ton dos. Tu penses que quoi? Tu peux compter sur le travail? Tu peux compter sur le travail? Dieu merci, on a du boulot. Mais on ne peut pas trop mettre notre espoir sur le travail. Parce que le travail là, c'est comme la neige. Quand il y a le vent, ça sèche, ça fond. Quand c'est l'hiver, ça marche. On ne peut pas compter sur le travail. J'ai mon grand frère qui a travaillé toute sa vie pour une compagnie qu'on appelait Eburnea. Il était dans le cacao. Ça marchait, c'était l'argent à gogo. Un beau jour, coup d'état en Côte d'Ivoire, Eburnea est tombé. Tous les employés d'Eburnea ont plongé. Ça veut dire que du succès à l'échec, de la richesse à la pauvreté. Parce qu'ils se sont contentés de leur petit boulot et ils n'ont pas prévu que dans la vie là, l'avenir est imprévisible. Il faut donc que tu saches que même si tu es aux États-Unis, même si tu es en Afrique, même si tu es en Italie, même si tu es en Côte d'Ivoire, même si tu es au Canada, il ne faut pas croire que tu es trop arrivé. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il ne faut pas croire, il ne faut pas tout prendre pour acquis. C'est la vérité. Non, mais c'est la vérité. Ton patron peut aller boire son whisky, il est saoulé, puis c'est toi, il l'enlève alors que tu n'as rien fait. Un beau matin, on te colle un problème sur le dos, et puis bon, de manière imprévisible, tu es bloqué, demain tu es coincé. Tu veux quoi? Tu ne peux pas jouer avec ta vie. On ne peut pas compter sur quelqu'un, bien-aimé. Tu es avec un homme, demain il décide de te laisser sans préavis. Tu es avec une femme, demain elle t'abandonne sans préavis. Tu penses qu'on peut, dans la vie, là, on peut compter sur quoi si ce n'est pas Dieu? Ben, mieux que drap. Tes propres amis, demain tu es coincé, tu ne les vois pas. Ben, mieux que drap. C'est la vérité que je vous dis. C'est la vérité que je vous dis. Rien n'est sûr. Ton argent même, tu ne peux même pas compter sur ça. Parce que demain, il peut y avoir quelque chose de plus gros que ça et puis tu t'en dépenses tout ton argent. On ne peut rien, rien n'est sûr. Lève-toi. Il y a des gens, parce qu'ils ont eu un petit boulot, c'est la fin du monde. Quelle histoire, petit boulot? Petit boulot. Petit boulot, on ne sait même pas jusqu'à quand ça va durer là. Parce que tu as une voiture? Tu sais ce qui peut arriver? Parce que tu as une famille? Non. Refuse. Refuse de vivre dans le flou. Aujourd'hui, donne-moi le nom de ton projet pour 2019. Qui deviendras-tu en 2019? C'est maintenant que tu dois planifier. Planifie ça 3 mois d'avance. Moi, en 2019, j'ai déjà choisi, Seigneur, il faut que mon entreprise rapporte et voici ce que je dois acheter, voici ce que je dois réaliser, voici ce que je dois faire. Seigneur, 2019, voici ce que tu dois me donner. Bien-aimé, je suis parti acheter mon nouveau carnet. Je ne veux même pas contaminer mes projets. Je ne veux même pas me mélanger. Donc, j'ai un nouveau carnet. Désormais, nouveau carnet, projet 2019. Ancien carnet, tu t'arranges pour finir tes projets de 2018. On ne veut pas retard, on ne veut pas accumulation. 2019, j'ai déjà mon carnet qui est là. Carnet de 2019. Projet 2019. Chaque mois, un projet, une victoire, un succès. Le Seigneur voudrait voir ses enfants épanouis. On a passé du temps à jouer, du temps à jouer, du temps à jouer, du temps à ne rien faire. On a passé du temps à jouer. Bien-aimé, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Change de style de vie totalement si tu veux une nouvelle vie. Il y a des gens, leur vie est comme un sacrifice d'action de grâce au diable. C'est la vérité. C'est-à-dire que leur vie a été comme un sacrifice d'action de grâce. Ils se tuent pour les autres, mais eux-mêmes, ils n'ont rien. Regardez combien ils se tuent pour leur patron. Combien ils se tuent pour que quelqu'un avance dans sa compagnie. Disciplinés pour leur patron, mais eux-mêmes, leurs propres rêves, rien. Oui, patron. Oui, monsieur. Oui, madame. À vos ordres. À vos ordres. Mais arrivés à la maison, ils ne foutent rien pour eux-mêmes.
Je ne veux plus te voir dans cette vie. Mon enfant spirituel, ma soeur, mon frère, maman, grand frère, petit, c'est peu importe. Tu mérites mieux. Tu dois te dire que cette année-là, ma vie ne sera pas comme un sacrifice d'action de grâce au diable. Cette vie-là où tu es comme un esclave pour que les autres prospèrent. Cette vie-là où tu es comme une machine à fabriquer l'argent pour les patrons. Une machine. C'est une vie de torture. Quand tu te réveilles le matin, là, est-ce que tu es heureux? Parfois, tu as même envie de passer un peu de temps endormi. Tu es incapable de prendre des congés tout frais payés parce qu'il n'y a pas d'argent. Congé un mois, c'est la catastrophe. Il y a des gens actuellement là. S'ils ont pris congé un mois là, ça sera le désastre total. T'assures où tu es là. Si tu as fait 2 semaines pour aller, sans aller au travail, toi-même tu vas venir m'aider. Pardonnez-moi. Tu as venir m'aider qui a mis l'eau dans le coco. Raoula, la vérité est bonne à dire. Où tu es là? Si tu as pris un mois de congé payé à tes frais, tu avais me dit qu'il a mis l'eau dans le coco. Tu vas me dire qu'il a mis l'eau dans le coco. Tu ne peux pas toujours passer ta vie à poursuivre le vent. Réveille-toi. Peut-être que tu n'as jamais économisé parce que le diable te fatigue. Réveille-toi. 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 Réveille-toi, tu te fatigues trop. Réveille-toi. Ton temps est gâché. Parfois, on va qu'à des occupations inutiles. Les enfants de Dieu, partage ma vidéo pour moi. Tu vas qu'à des occupations inutiles. Bien-aimé, ce matin, j'ai décidé, éloge, désormais, fais la liste. Fais la liste. Chaque jour, chaque heure de ma vie maintenant aura un projet précis. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, je commence à lire les courriels et répondre aux messages. 2 heures de lecture de messages, par exemple, j'ai 2 heures pour travailler sur mon nouveau livre. Après 2 heures pour faire ça, telle heure pour faire quoi? Telle heure pour faire tel projet. Bien aimé, il faut être structuré. Des occupations inutiles. Comme quelqu'un qui est là pour animer funérailles BT. Tu es là pour animer funérailles d'abord. Travail sans salaire. Bénévolat. Mon frère, tu es trop gentil. Ma soeur, tu es trop gentil. Bénévolat. Tu es en train de faire toujours bénévolat. Je ne sais pas pour quel site internet tu aurais fait bénévolat à l'air là. Bénévolat pour Facebook. Bénévolat pour Instagram. Bénévolat. Ton temps. Utilise maintenant ton temps. Cette année, bien aimé, utilise ton temps. Utilise ton temps. Le peu que le Seigneur te donne. Va. Tu n'as aucune idée. Bien aimé, moi je parle toujours de mes livres. Hein. J'ai un livre qui est là. Comment forcer vos... Dans le livre, comment activer le pouvoir de l'automotivation. Il y a un thème, comment forcer votre rêve à se réaliser. Votre rêve peut se réaliser. Bien aimé, moi j'ai forcé mon rêve à se réaliser. Bientôt, je pars en vacances en Afrique du Sud. Ben mieux que Dra. Je viens de recevoir la nouvelle. Oh, j'ai béni la maman qui a pris cette décision. J'ai dit oui. Je pars pour les vacances. Je pars. Ça faisait partie de l'un de mes rêves. Et Dieu l'a accompli. Même si Dieu n'est pas passé par quelqu'un, moi, je suis capable d'aller. C'est tout. C'est quelle affaire, ça, où on se fatigue pour rien, là? Ta vie n'est pas faite de souffrances. Ta vie n'est pas faite de souffrances. Ta vie ne peut pas être faite de souffrances. Ta vie n'est pas un sacrifice d'action de grâce pour le diable. Je refuse. 15 ans, on va ensemble. Je refuse. Si tu veux que tu te mets dans mon sac là, pardon, il n'y a pas place. Il n'y a pas place. Tu es là quand quelqu'un voyage. Tu me mets dans mon sac, dans ton sac, pardon.
n'y a pas place. Même dans valise qui est comme ça, il n'y a pas place. Faut pas venir chercher pirogue où tu as avoir place. Lève-toi aujourd'hui. Ton nouveau calepin. Demain là, quand on va faire notre prière sur Zoom là, tous les membres de Océan des Grâces, salut frère Boka, tout le monde, je veux voir ton nouveau calepin 2019. Frère, c'est très important. Si tu veux que je sois ton coach pour la réalisation de tes projets, il faut être sérieux. Maintenant là, il ne m'amuse plus. Bien aimé, les gens que je vais coacher là, ils ne m'amusent plus, ils ne perdent plus le temps. Les plaisantins là, ils n'ont qu'à sortir du groupe, c'est tout. Parce qu'il y a des gens qui sont capables d'occuper ton temps pour que tu rates ton rêve. Ma soeur, ouvre tes yeux. Il y a des gens qui sont capables d'occuper ton temps pour que tu rates ton rêve. Ça, ce sont les gens qui te font durer dans le cauchemar, là. Virginie, viens au Canada. Ça, c'est quelle affaire, ça? Moi, je suis déjà au Canada. 2019. Je veux que vous me présentez votre calepin. Projet 2019. 2019. Projet 2019. Projet 2019. Ou bien, donnez-moi un nom adapté à ce projet. Je vais peut-être donner à mon équipe. On va créer une section pour les gens qui veulent s'inscrire au projet 2019. Coaching. C'est la vérité. Parce que parfois, les enfants de Dieu sont tellement têtus qu'il faut les pousser. Projet 2019. Si vous voulez participer, dites-moi. Bien-aimé, où je suis là? J'ai béni le nom de Dieu. Il m'a déjà donné le don. Regardez, plus de 10 ans, aucun de mes projets n'a échoué. 10 ans, plus de 10 ans. Je vais juste vous motiver pour vous faire comprendre que, hey, le temps passe. Arrête de te contenter de ta vieillesse. C'est quoi ça? C'est quelle retraite sans salaire là? Non, Virginie, il faut changer. Il faut changer. Projet 2019. Quel est ton projet 2019? Dis-moi. Dis-moi. Si c'est projet bizarre, là, je ne suis pas dedans, hein, projet qui envoie cauchemar. Là. Si c'est un projet qui envoie cauchemar, là, je ne suis pas dedans. Projet qui envoie cauchemar. Là. Je ne suis pas dedans. Il ne faut pas venir me stresser tes projets bizarres. Là. Si tu veux vendre à Tiké, ça aussi c'est un projet. Si tu veux vendre poisson sec, c'est aussi un projet. Mais il ne faut pas venir embrouiller les gens avec tes histoires. Là. Projet 2019. Je veux. Si c'est le mariage, tu peux y arriver. Mais tu t'en as fait quoi dans le mariage? Ça dépend parce que ça dépend des mariages. Tu es parti devenir femme de ménage, ou quoi? Quelle histoire. Vous voyez? L'ennemi nous connaissait trop autrefois. Vous savez comment j'ai fait? Vous savez quelle stratégie que j'ai utilisée? Lorsque je voulais sortir ma musique, personne ne savait que dans ma tête, je voulais devenir écrivain. D'abord, ils ont commencé à attaquer mes arts martiaux. Ils ont combattu. Bien aimé, ils ont combattu. Un jour, je suis allé au village. Il y a quelqu'un qui me dit, « Oh, il paraît que tu es devenu artiste chanteur. Yeah. » Il a dit, « Tiens, les nouvelles vont vite. Oh. Il paraît que tu es devenu artiste chanteur. Bien aimé, ma musique n'a pas joué dans certains endroits. Mais j'ai fait un rêve. Un rêve où mon album jouait en plein dans mon village. L'album résonnait partout dans mon village. J'ai dit, qui est spirituellement. Mais normalement, l'album n'a pas bougé. Tout le monde avait la tête. Il veut devenir artiste chanteur. D'accord, on va voir où ça va passer pour aller. Un beau matin, ils se sont réveillés. On dit, il est devenu écrivain, conférencier, motivateur. On dit, hein? Il y en a même qui n'ont pas cru. Ils sont venus acheter le livre là pour voir, pour croire.
C'est comme ça. Vous avez trop bavardé jusqu'à vous avez vendu votre destinée. Maintenant là, changez de stratégie. Projet 2019. Ma chère, tu fais quoi? Je vends Bofroto. Mais en réalité, tu es en train de construire une villa. Tranquille. Mon frère, tu vas où? Je m'en vais au Congo. D'accord, ils vont se rendre compte que tu es aux États-Unis. Bien aimé, quand vous parlez, donnez caillou à l'ennemi, n'a qu'à s'asseoir. Excusez-moi de le dire, ne croyez pas que je suis grossier. Donnez caillou à l'ennemi, il n'a qu'à s'asseoir dessus jusqu'à ses reins vont lui faire mal, ses fesses vont lui faire mal, au lieu de livrer vos projets au diable. Donnez caillou, il n'a qu'à s'asseoir dessus jusqu'à ses fesses vont lui faire mal. Ce n'est pas vos projets, il va venir s'asseoir dessus. C'est la vérité. C'est tout, tranquille. En tout cas, tout sorcier qui va vouloir s'asseoir sur ma ville, il va s'asseoir sur caillou, caillou pointu. Caillou brûlant. C'est la vérité. Ton projet peut réussir. Mais le diable vous tend des pièges. Regardez les sœurs. Des sœurs qui ont des bons projets. Et puis au bord du projet, elle tombe enceinte. Au bord du projet, elle tombe enceinte. Reportée jusqu'à nouvel ordre. Au bord du projet, elle tombe enceinte. Elle prend un autre encore. Au bord du projet, il y a un problème. Au bord du projet, il y a quelqu'un. Il y a toujours un embrouilleur ou il y a toujours une distraction. Voici pourquoi il est important d'avoir un coach ou d'avoir un modèle. Je suis arrivé au terme de mon enseignement. Ayez confiance à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez devenir en 2019? Dieu ne sait pas ce que vous voulez. Vous-même, vous ne savez même pas ce que vous voulez. Ce n'est pas Dieu qui va savoir. Vous passez chez tel pasteur, vous lui dites ça. Vous êtes en train de fatiguer les pasteurs pour rien. Vous passez chez tel pasteur, vous lui dites ça. Vous passez chez l'autre, vous dites le contraire. Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste? Chrétien qui n'a pas une seule bouche. Vous voulez quoi au juste? Voici pourquoi je te défie ce soir ou demain. Je vais voir ton carnet. Ton carnet, projet 2019, je veux voir ça. Frère Boka, je veux voir ça. Tu peux réaliser tout. C'est la planification. J'ai un livre que je vais sortir. Le livre s'appelle « Comment réaliser vos rêves en moins de 6 mois ?» Comment réaliser vos rêves en moins de 6 mois ?» Bien aimé, vous pouvez trouver n'importe quelle information sur Internet, n'importe quel partenaire sur Internet, tout simplement en ayant la bonne attitude et la bonne planification. Mais vous faites tout dans le désordre. Vous croyez que c'est Dieu qui a venu faire vos projets pour vous. Vous croyez que Dieu a le temps. Il vous a donné l'intelligence pour quoi? C'est pour ça, pour élaborer vos projets. Il vous a donné l'intelligence pour quoi? Pour planifier. C'est pas pour vous promener dans funérailles bêtées. C'est pas pour vous promener à perdre le temps. Non. Il vous a donné l'intelligence. Parfois, quand les projets sont bien élaborés, on les accomplit sans difficulté. Avant de demander mon visa, j'ai pris 6 mois pour faire des recherches. 6 mois pour préparer une demande de visa. Imaginez, 6 mois. Mais en attendant, pendant des années, je me préparais déjà. J'effectuais des voyages à l'étranger parce qu'on m'avait dit que pour voyager, il faut avoir des cachets. Il faut prouver que tu es quelqu'un qui est habitué à voyager. Bien aimé, tout récemment, je suis allé chercher un autre visa. Quand j'étais allé chercher le visa pour l'Italie, ça n'a même pas été difficile de me donner le visa. Parce qu'on avait déjà vu que je voyageais beaucoup. Il faut s'organiser. Chrétien qui prie, tu parles en langue et puis Jésus va venir te donner des projets par miracle. Je suis désolé, il faut parler en langue. Il a mort ta langue, mais il ne va rien te donner. Il dit travailler. Il bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira pas seulement tes paroles, mais il bénira l'œuvre de tes mains. C'est la vérité. Sache ce que tu veux. Sache ce que tu veux. Sache ce que tu veux. Ce n'est pas quelqu'un qui va décider ton projet. Les gens qui suivent tout, ils suivent tout, ils suivent tout. Jusqu'à même, ils suivent leur cauchemar. Frère, ton projet n'est pas forcément relié au projet de quelqu'un. Les gens peuvent t'apporter des idées, des suggestions. Mais
Ils peuvent pas. Il n'y a pas deux personnes qui ont une destinée unique. Parfois, c'est à peu près. Peu importe ce que tu veux, tu es unique. Lucie, est-ce que je me trompe? Peu importe ce que tu veux, tu es unique. On peut conduire les mêmes voitures. On peut porter les mêmes habits. On peut faire tout. On peut servir Dieu. Mais chacun a un don unique. Si tu veux copier sur les autres, tu es mal parti pour échouer. Non. Tu es une étoile. Même si les étoiles brillent dans le ciel, chaque étoile a sa lueur, a sa puissance. C'est la vérité. Aujourd'hui, fais-moi voir ton projet. Est-ce que ton projet, c'est de changer ton caractère, c'est de changer ta personnalité, c'est de gagner tes batailles, c'est de prouver au diable que même si dans ma famille, personne ne se marie, moi, je vais me marier. 2019, qui deviendras-tu? Qui deviendras-tu? Si en 2019, tu as le même salaire, si en 2019, tu as le même travail, si en 2019, tu es dans le même quartier, si en 2019, bon, 2018, tu n'as rien ajouté à ta vie jusqu'à la fin de cette année, c'est que cette année a échoué. Tu veux que je te le répète, non? Si jusqu'en fin de 2018, rien n'a évolué, si jusqu'en fin de 2018, rien n'a changé, si jusqu'en fin de 2018, tu n'as rien ajouté, c'est que ton année a échoué. C'est un fiasco professionnel. Si jusqu'en fin de 2018, la vérité est bonne à dire, ça fait mal. Mais il faut permettre aux gens de comprendre. Il ne faut pas croire que le temps de Dieu n'est pas arrivé. Arrête de mentir. Tous ces mensonges, ça a amené beaucoup à l'échec. Le temps de Dieu, le temps de Dieu. Non, 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 non. Sors de tes conneries du temps de Dieu. Dieu t'attend. Regarde dans la Bible. Dieu t'attend. Quand Jésus croise quelqu'un, il lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Les chrétiens qui ont projet, ils ne savent pas comment faire pour l'accomplir. Et puis, ils sont là, le temps de Dieu, le temps de Dieu. Ils sont en train d'embrouiller Dieu et leurs histoires là. Il faut quitter devant moi. Temps de Dieu, où ça? Dieu t'a donné rendez-vous. Il t'a donné une date. Des histoires là, tu as des projets. Au lieu de te lever pour aller planifier, peut-être que tu n'as même pas de connaissances. Tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire. Au lieu de demander conseil à quelqu'un, tu es là. Temps de Dieu, temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Il ne faut pas m'énerver là-bas avant que je vienne te trouver là-bas en Italie ou bien dans ton petit quartier de Longueuil là. Quel temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est ton temps. J'ai écouté un témoignage où Jésus dit « Votre temps, c'est mon temps. » Quand vous êtes prêts, en d'autres termes, votre temps, c'est mon temps. Le temps de Dieu. Il dit à tes résolutions, répondra le succès. Tu es là en train de dire mon, le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu qui n'est pas arrivé. Et puis beaucoup de chrétiens sont plongés dans ce mensonge spirituel-là. Temps de Dieu. Non. C'est aujourd'hui ta délivrance. C'est aujourd'hui ton succès. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le temps de Dieu pour toi. Bien-aimé, en 2000, je ne me rappelle plus bien. J'avais une petite voiture. Et je vous ai raconté l'histoire déjà. Dans la petite voiture, j'avais des enfants et on était tellement entassés qu'ils ont commencé à rire. Alors, j'étais dans la voiture et j'ai déclaré, Seigneur, cette année, je changerai ma voiture. Parce que ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu ait des difficultés d'avoir même une voiture alors qu'il fait l'œuvre de Dieu. Et j'ai déclaré, Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle voiture pour faire ton œuvre. Bien aimé, en moins de quelques temps, j'ai eu la voiture. Alors, le Seigneur m'a donné les moyens. Il m'a ouvert les portes. Et en plus, il me l'a donné au bon moment. Ce qui est encore plus bien, c'est que un jour, j'ai dit à Dieu, puisque j'étais allé déjà au garage plusieurs fois, et vous voyez, c'est fatigant parfois d'aller au garage, le mécanicien il rit, toi tu pleures. J'ai dit à Dieu, j'ai besoin d'une nouvelle voiture parce que je ne peux pas passer tout le temps au garage. Bien aimé, en moins d'une semaine, le Seigneur a ouvert les portes et j'ai eu la voiture. Je pouvais dire, bon ben ma voiture a des problèmes, j'attends le temps de Dieu. Mais Dieu a agi selon ma déclaration, il a agi selon mon désir, il a agi, bien aimé.
Dieu peut agir selon ta déclaration, tes désirs et autres. Alors arrête de te mentir. C'est le temps de Dieu. Mais si Dieu t'a donné une date, tu peux dire tu attends le temps de Dieu. Si tu ne sais pas ce que tu vas faire, dis Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas qui je vais voir. Je ne sais pas qui va me donner les moyens. Je ne sais pas par quoi commencer. Peut-être qu'il aura pitié de toi. Il va te dire mais va ici, va là, va faire ça. C'est... Beaucoup sont plongés dans un mensonge spirituel. Au lieu de se lever pour travailler, au lieu de faire des recherches sur Internet, au lieu de chercher des partenaires, au lieu de se coller aux bonnes personnes pour que leur projet se réalise, ils sont en train de se mentir depuis des années, ils attendent le temps de Dieu. Quelle histoire! Regardez les gens dans le monde. Ils créent des compagnies. Ils se donnent les moyens pour les faire prospérer. Regardez nos frères et sœurs. Regardez les constructeurs automobiles. La fois passée, je suis allé chercher un téléphone. Mais en cherchant le téléphone, c'était quelqu'un qui s'était donné un moyen. Quel temps de Dieu chrétien! On va continuer de dormir encore. On va continuer de se faire des illusions. On va continuer de se blaguer avec ces messages bidons qui visent à endormir les chrétiens alors que le monde prospère. Quel temps de Dieu! Le temps de Dieu! J'attends le temps de Dieu! Non, 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 non. Ça fait des années que tu es dans cette illusion de temps de Dieu. Notre Dieu a son temps, bien sûr, mais notre Dieu nous attend aussi. Il nous attend. Il dit, demande-moi, je te donnerai des nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Il n'y a que des arbres qui ont des saisons. Mais la Bible déclare que ceux qui sont à Jésus, qui sont à Dieu, sont comme un arbre qui est planté près d'une source d'eau qui donne son fruit en tout temps. Et toi, tu attends le temps de Dieu. Demandez, il vous donnera. Oh non, ma soeur, tu es dans la révélation. Tu es dans la révélation. Regardez, le livre que j'ai acheté tout à l'heure, c'est comme si elle a vu dans mon livre. Hein. Le titre du livre que je suis allé acheter, je n'ai pas encore lu, de Pierre Morency, demandez et vous recevrez. Voici ça. Demandez et vous recevrez. Alors, au lieu de vous lever pour aller travailler, vous êtes là le temps de Dieu, le temps de Dieu, alors que Dieu a donné à tout le monde la capacité à gérer son temps. Vous voyez qu'on se retarde en tant que chrétien. Alors aujourd'hui, je vous incite à décider qu'est-ce que votre vie va devenir. Décidez ce que vous voulez réellement. Et quand vous le décidez, ne laissez personne changer cela. Ne laissez personne changer cela. Alors, j'ai été très heureux de vous entretenir pendant ces moments. Demain, nous aurons une prière sur Zoom. Ok? Là, vous êtes en train de visiter mon quartier. Demain, nous aurons une prière sur Zoom. Et préparez vos carnets 2019, projet 2019. Préparez vos carnets, préparez vos trucs de notes. Et cette année, j'aimerais faire en sorte que chaque mois de l'année prochaine, ou chaque temps, désolé, des mois qui veulent finir, nous apporte le bonheur. Bien aimé, je pense qu'il est temps que chaque enfant de Dieu profite des dons que Dieu lui a donnés. Vous trouverez peut-être que j'exagère, mais aucune vie ne mérite d'échouer. Et moi, je vais vous donner l'occasion de voir la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ciao.